Salut à tous, salut les abonnés. Aujourd'hui, vidéo retour d'achat du samedi. Il n'y aura pas de brocante demain, je suis en déplacement donc du coup pas de brocante. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait des petits achats en magasin, style magasin de brocante justement, des trocantes, des trucs comme ça. Voilà, donc il n'y a pas énormément de voitures, mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Alors, on va commencer par les achats en magasin de brocante, du coup. Donc, des petites majorettes. Voilà, on commence tout de suite avec ce joli Range Rover en version Motors. Donc, c'est un Range Rover avec le système à friction. Et il fonctionne même plutôt bien, et ces deux caoutchoucs sur les roues sont en bon état. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Alors, deuxième véhicule, on est toujours sur du Majorette Motors, et là il s'agit de l'ER5 Turbo 2 version rose, et pareil, là c'est caoutchouc, ils sont encore en bon état. Est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne, ça c'est plutôt cool. Alors ensuite, là il s'agit de sauvetage. Nous avons ce cabriolet Mercedes en état de jeu. Voilà, normalement elle est toute jaune. Hélas, elle a été maintes fois bricolée. Donc 350 SL à restaurer. Le pare-brise n'est pas cassé. Elle a son crochet d'attelage et son ouvrant, donc on peut essayer de refaire la peinture. Alors, autre véhicule qui lui pourra plus servir pour les pièces, cette je ne sais plus le modèle, Ford Thunderbird. Dans un état de jeu très très prononcé. Ensuite, toujours à restaurer, on a encore un cabriolet Mercedes. Elle est sympa aussi celle-là. Elle a un ouvrant. Alors, on va pas forcer trop. Bon bah par contre son pare-brise, il est complètement enfoncé, elle a fait un tonneau. Hein. 500 SL. Les roues sont bonnes, le châssis est bon. Par contre, vous voyez que la carrosserie, c'est pas terrible. Autre véhicule, alors celle-là j'en avais déjà une, mais pas avec la même déco. Donc la fameuse Porsche 900, je sais plus, 924, je crois. Donc voiture de course. Alors je vais juste faire un nettoyage sur celle-ci. Peut-être repeindre les roues. Et ça sera tout. Alors désolé pour la coupure. Problème de bruit à l'extérieur. Alors, dernier modèle acheté en magasin de brocante, cette GS Camargue, avec une couleur que je n'avais pas, bleu avec le liseré blanc.
Elle est plutôt en bon état. Son haillon est là. Alors, je vais pas essayer de l'ouvrir. Normalement, il est censé s'ouvrir sans trop de problèmes. Voilà. Les roues sont en très bon état. Ouais, des deux côtés. Ça, c'est plutôt nickel. Le châssis, il est encore pas mal brillant. Donc, c'est plutôt une bonne voiture. Alors, ensuite, je suis allé dans un magasin de jouets. King Jouet pour ne pas le citer, j'ai rien trouvé que j'avais pas déjà. Très peu de choix, donc du coup j'ai rien acheté. Je suis ensuite allé à la grande récré, non pas la grande récré, j'ai plus le nom. Donc un autre magasin de jouets où je n'ai rien trouvé non plus, et j'ai fini à Jiffy. Jiffy, où j'ai trouvé cette petite Opel. Alors apparemment c'est du 2017. J'y vais de temps en temps dans ce magasin-là, et l'autre fois ils avaient rien, donc ils ont ressorti du 2017 de je ne sais où. Et là moi ça m'arrange parce que c'est un modèle que j'avais pas, donc je vais l'ouvrir. Hop là. Voilà, elle est très jolie cette petite voiture. Bon, les jantes classiques, on connaît bien. Alors, c'est une Opel Adam. Voilà, j'avais un petit doute, mais bon, c'est une voiture qu'on voit pas beaucoup sur nos routes. En tout cas, moi, j'en vois pas trop par chez moi. Plutôt mignonne. Elle roule bien. Voilà, impeccable. Et dernier achat, Jouet Club. Voilà cette très jolie mini, mais par contre elle n'est pas pour moi, je l'ai achetée pour un ami. Donc du coup je l'ouvre pas puisque c'est pas pour moi. Il aura le plaisir de l'ouvrir lui-même. Donc la série France, le numéro 10 sur 12, une mini. Et elle a l'air d'être plutôt bien faite, hein. Moi j'en avais déjà deux de cette série-là, j'avais le Master, enfin, j'ai toujours d'ailleurs le Master, et la coccinelle rose, que je garde pas finalement, je l'ai remis en vente. Voilà pour cette vidéo des achats du samedi. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, notamment sur le format de présentation de la vidéo, si ça vous plaît ou pas. Parce que là, en ce moment, le décor est un peu toujours le même. Puis voilà, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Et sur cette image, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!